Comment ça, un air de déjà entendu? Non, non, pas du tout, pas du tout, détrompe-toi, mon jeune ami. Ça n'est rien d'autre que du métal, ça ne fait pas mal. Alors, ça voudrait dire que Monsieur K est énervé? Non, pas du tout. Alors moi, j'écoute du métal quand je suis tout calme. Faut pas croire. Non, par contre, ça correspond bien à l'ambiance des jeux que je suis en train de d'enregistrer en rush. Donc là, on va encore faire une session rush en préparation de la chronique à venir de Blazing Chrome. Qu'est-ce que c'est que Blazing Chrome? On peut le résumer sur une sorte de contra-like, on va dire. C'est-à-dire, il y a de la plateforme, faut bouger, faut beaucoup bouger. Il y a de la tatane, il y a énormément de tatane. Mais c'est relativement bourrin, quoi. La finesse n'est pas trop présente. On va attendre que le morceau s'arrête et... on va s'occuper de faire la capture du jeu. Donc voilà, deuxième session bourrinage dans la journée, ça va me faire du bien. Et je pense que je vais pas être meilleur que dans Valfaris, que j'ai tendance à préférer. C'est pour ça que je le relance et que je re-enregistre des rushs au passage. Ça va pouvoir me permettre de faire la comparaison. Et c'est pour ça que je vous proposerai sur YouTube les chroniques de lundi d'affilée, pour que vous puissiez comparer justement les deux jeux et trouver celui qui vous plaît le plus. Donc je vais faire un petit run dedans pour me le mettre dans les pattes, parce que je pense qu'il faut roder un peu le jeu un minimum, déjà pour que les commandes deviennent un automatisme, comme recharger ses cartouches. Ah oui, là on est en pleine période 1080 total, et assumé. The pad. Blazing Chrome. Donc effectivement, ça fait bizarre d'avoir un jeu sorti 30 ans après qui aurait très bien pu être là, entre 85 et 90. On va voir ce qu'il a dans le ventre, le coco. Mode arcade. Voulez-vous reprendre là où vous étiez arrêté? Non, comme ça je vais re-enregistrer des bouts de rush qui me serviront peut-être si je fais du montage. Je sais pas encore si je fais un live ou un montage sur ça. Ça va être la surprise. Poursuivez et interceptez le train de ravitaillement ennemi. Mais j'ai plus les commandes en tête, Coco, donc... 3, 2... Ça c'est... On va le garder pour le dessert. Allez, Yata. Bon, apparemment ça ne veut pas. J'ai pas le droit de refaire la première mission, c'est moche. Je vais faire comment moi pour enregistrer mes rushs? J'ai plus les commandes en tête, je sais plus ce que c'est que blablabla, comment ça marche. Alors, on s'en fout, on tire tout le temps, on saute, hein. Allez, c'était chouchou. Il doit y avoir un truc pour drifter ou je sais pas. Je ne trouve pas. Je cherche. C'est violent quand même. Alors ce qui est très rigolo dans tous ces remakes de jeux type année 85-95, c'est que... pas facile de parler déjà et d'une. Et que du coup, ils ont la raideur des jeux d'origine, quoi. C'est assez rigolo. Pas rigolo, énervant aussi souvent. Regardez-moi ce gros concre là. Comment je l'ai pris celui-là?
À trop faire le malin, bravo. Alors c'est chiant parce qu'on voit pas trop combien de coups faut leur mettre dans le buffet aux ennemis. Enfin, ils ont besoin d'en prendre plusieurs. Du coup c'est un petit poil merdique. Et les diagonales sont aussi pourries à voir qu'à l'époque, malgré que le pad soit pas dégueu quoi. Je devrais avoir une super bombe ou une connerie comme ça, je pense. Il faut juste que je retrouve où c'est que ça se cache. Ah, ah c'est dommage. J'y retourne, je vais éviter de faire le con autant qu'au démarrage. Oui gros, oui gros. Alors la deuxième phase de tir là où il fait ces boules jaunes qui sortent comme une chenille. Ah putain, je sais pas trop comment la passer. Ça. Aïe 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 aïe, esquive, esquive, esquive. Ah. Je sais pas trop. C'est pas très explicite. Chouchou. Faut penser à sauter à chaque fois, c'est horrible. Donne-moi un tir d'homme un peu. Ah, oh, un bouclier, c'est pas mal. Aïe, 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 il va me faire. Il va me faire. Alors, c'est sympa d'avoir des mini-boss comme ça, mais je me rappelle plus quand il tire, lui. Hop, pas mal. Ça y est, c'est revenu. Là, je me casse. No fun, les gars. No fun. No fun, no fun, no fun at all. Un petit laser. Amène-toi, amène-toi, gros. Amène-toi. I'm never afraid. J'ai joué à des shmup. Tu sais même pas qui tu parles, moi je serai toi. J'abandonnerai immédiatement. Tu n'as aucune chance. Je me faufile dans des couloirs de boulettes. Qu'est-ce que tu veux faire avec deux malheureux lasers? Pauvre, pauvre, pauvre. Naïf. Alors là, ça va être moins drôle. Là, il y a moyen de moyenner des conneries. Kaboom. Oui, je suis en forme aujourd'hui. Hein. Bah, c'est vrai que les streams, quand on les fait pas à point d'heure, on a plus la patate. Ça, c'est ma connerie, par contre. Ma connerie. Il y a un petit côté Far West. Dans la BO, c'est assez rigolo. Ah oui, alors, par en dessous, faut sauter pour les... Ah, j'ai roulé sous une boulette, mais quelle connerie. Alors, je persiste à dire que je préfère quand même Valfaris. Oh putain. Viens là, cognon. Je préfère Valfaris parce qu'il est vachement plus pixelisé et du coup il a vraiment une gueule à lui quoi. Merde. Oh, ça me casse les wagons. J'essaie d'avoir un peu de décence. Mais ouais, ça les a beaucoup cassés quoi. La tourelle, il y a pas la tourelle, je me rappelle. La tourelle, fais gaffe à la tourelle, je viens de te dire. Je le prends, ça. Je me casse. Oui, t'es pas obligé de buter tout le monde. Ça aussi, il faut s'en rappeler. Zwish. Comment je le flingue par en dessous, lui? Ah, putain. Ah, non! Pas quand j'avais cette putain d'arme. C'est pas possible, les gars.
Go ahead, make my day. Non, je me casse, je me casse. J'ai pas très envie de discuter aujourd'hui. Non, je suis pas d'humeur. Je vais prendre le temps de prendre le bonus, on sait jamais. Ça peut me servir pour ce damné boss qui va pas être sympa. Ah oui, c'est le boss qui n'en finit jamais. Oh putain, non! Alors oui, il faut que je me rappelle qu'il n'y a pas de hitbox. C'est vraiment le personnage complet qui compte. Dès qu'il est touché, frôlé, c'est bon, c'est mort, c'est raid. No more joy, no more espoir, no more tadel. Bref. Esta la pa fiesta. Hop là, on va pas faire le téméraire aujourd'hui. Ça serait bien que je le finisse lui, parce qu'il est pas compliqué, mais il est long. Ah, oh, j'ai pas sauté à temps, quelle horreur. Je suis déceptionnage. Oh, c'était bien vu ça. Ça, c'était moins bien vu, tu vois. Tu aurais pu sauter, par exemple. Je te donne des conseils pour arriver à mieux jouer. Qui parle-t-il? À lui-même. Il sent. Il sentait bien en bas. Non, là, t'es pas bien. Là, t'es cohérent. Oui, comme le fabricant d'avion. Descend. On va y aller mollo, là. Hein? Y a pas de... Hop, descend. Hop! Pourquoi je suis trop lent à descendre? Pitié, dites-moi pas. Non. Je peux pas le savoir. Oui, je suis obligé de le faire. Il est tout rouge, en plus il va pas tarder à crever, c'est obligé. Just in time. Yes! La manon du dieu. Alors, il est frétillon du tir, hein, ce jeu. Je vous garantis que vous n'allez pas arrêter de marteler le bouton de tir comme je le fais. Et c'est limite, vous allez avoir de la corne à la fin sous le pouce. C'est obligé. Qu'est-ce que c'est? Non, on me le dit pas. Moi, je le flingue. Ok. Ça fait bien que c'était si simple. Bon, moi, je m'inquiète pour beaucoup, pour peu. Je vais y aller prudemment vu que je connais pas le placement des ennemis et c'est vital sur ces jeux old school quoi. Ah et bah. Nom de Dieu. Il est bien mon pulvérisateur mais qu'est-ce qu'il est lent. Et il y a beaucoup d'insectes ici. Oh là là, ça va être terrible là. Ouais, ouais, je vais me taper un boss. Ça va pas être bon. Dommage, il y avait de la volonté. Dernière vie. Aïe, 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 c'est mal barré. Je peux avancer, les gars? Je peux? Go, go, go. Oui, non? Oui. Ça manque le go, go, go. Dans les vrais jeux d'époque, c'était ça, quoi. Le jeu qui te dit, ouais, faut avancer, là. Tu squattes. Il peut t'arriver de plus grosses misères. J'ai un shield, profite-en. Oui, je tire avant que ça apparaisse parce que c'est pas à peine d'attendre des fois. Ah. Ça a bordé pour moi dans pas longtemps. Ouh, qu'il a pas l'air pas mal. Ah mais il est pas mort! Oh putain! A chaque fois je fais la même couillonnerie en plus, c'est incroyable. Je voulais faire la roulade vers le bas mais ça a pas marché. Je vais bien finir par l'avoir avec 3 vies. Dit-il d'un air désespéré. Voilà, brun. Jusqu'au bout. Bon, je confirme, je préfère Valfaris quand même, en gros pixel. C'est plus... C'est plus sympa, c'est métalleux bourrin, justement. Métal, bourrinage, ça va trop bien ensemble. Là, ça fait plus jeu 90, le néo-futur rétro. Et donc, du coup, c'est lui le boss, ok, je m'en occupe. Pas de soucis, je gère.
Je gère. Je gère. Plus. Hop, hop, hop. Deux vies. Aïe, 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 je vais prendre cher. Je suis pas gros. Moi, je reste en dessous. Je suis très bien, quoi. C'est ça. Piu, piu, piu. Tu vas voir ta petite queue qui dépasse. Elle va pas faire long feu avec moi, je te le dis, madame. Ouais, il va me faire une blague. Il va faire la blague. La blague de je sais pas quoi, mais ça va être une blague. Elle va pas être drôle. Oh, bouge pas. Laisse-le s'énerver un peu. Hoppa ! Mauvaise idée. Hop, hop, hop. Oh, fallait pas sauter, monsieur. Surtout pas, malheureux. Ça se retente. Ça se retente. Moi je l'ai bien ken. Faut vraiment la maîtriser cette roulade à la con. 5 vies, le boss? Ouais. Vas-y, ça se tente, mec, ma idée. C'est pas dit que ça va passer quand même, mais bon, on y croit, allez. J'ai déjà vu préparer un autre dessert. Et soit mon arme, le gars. Oh mais non! Oh mais non, mais non! Je suis pas d'ac là! Je suis pas d'ac! Ça craint! Ça sent pas bon! Il veut pas crever! Maîtresse, maîtresse, il veut pas crever! C'est dur de... Ah ah ah, c'est dur de viser la diagonale. Je voulais dire. Ah putain, mais saute pas quand il fait ça, bordel. Piu 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 piu, c'est parti. Oh là là. C'est dommage qu'on puisse pas coincer une direction diagonale sans bouger. Avec une gâchette ou je sais pas quoi. Ça, si je suis sérieux des fois, je me fais peur. J'ai l'impression de me prendre pour un homme politique. Ah non, ah non, ce n'est pas très fair play, jeune homme. En pleine fleur de l'âge. Saute pas. T'es bien au milieu, t'es très bien au milieu. Très 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 très. Putain. Oh yes! Ça fait bien plaisir. Moi qui étais à deux doigts d'abandonner, de jeter mon pad et tout. T'as vu ça? Sûrement l'adrénaline. Oui, te moque pas du temps, j'ai mis un petit peu de temps, c'est certain, mais bon. Le tout c'est d'y être arrivé. Mission complete. Let's go to next level. Et donc, eh ben, on va se faire la conclusion de cette review sur ce dernier tableau. Enfin, il y en a d'autres après, hein. Et je vais vous donner mon opinion sur ce Blazing Chrome. Alors, j'ai fait une petite coupure, hein, parce que, bah, on a une vie. Donc, je me remets les commandes dans les papates. Oui, ben, il faut la roulade. Ok, c'est ça. Et tire en bas. Ok, c'est bon, j'ai tout. Changer d'arme. Mais t'as pas d'autre. Ah, mon douille. Ouais, je me casse. Ils ont aucun humour encore. Ça recommence. Oh, regardez-moi cette finesse. Et donc, bah, la conclusion va pas être très très compliquée. Puisqu'en fait, il semblerait, sauf erreur de ma part,
qu'on ait le meilleur jeu d'arcade sorti en 1980, en 2019, pardon. Je me suis laissé avoir, troublé. Oui, oui, oui. Pour moi, ce jeu, en fait, c'est un jeu d'arcade. Il devrait être dans une borne. Et ça serait la borne la plus répandue qu'on aurait cette année, je pense. Parce que, très honnêtement, regardez comment c'est foutu. C'est fait pour être speed, rapide. Les parties sont pas très très longues. On enchaîne, on avance. On met des crédits encore. C'est vraiment fait pour de l'arcade. Voilà. Bon, du coup, c'est bien pour les nostalgiques. Mais sérieux, je rêverais de voir cette borne dans une gare SNCF ou je sais pas, n'importe quel endroit où on attend. Parce que c'est vraiment sa place, quoi. C'est l'endroit où on doit trouver ce genre de jeu, c'est obligé. Oh, c'était moche ça. Petit enfoiré. Oh, mais non. On va aller jusqu'au boss quand même. Je tiens. Bah non, je vais pas y tenir longtemps puisque regardez-moi ça, ce coinçage dans l'angle du niveau. Si c'est pas horrible. Continuez. Oui. Et donc, du coup, je sais pas ce que vous en pensez, mais oui, c'est un excellent jeu d'arcade. Voilà, on a tout dit. Il n'y a rien à rajouter. Oui, je suis colère, je suis pas comme un aujourd'hui. Décidé d'aborder la vie d'une autre manière. Un peu plus méchante, un peu plus cruelle. Juste pour énerver. C'était limite. Hop, hop. Regardez-moi cette belle gigue, magnifique. Alors c'est très rigolo parce que ces jeux-là font partie quand même de... Oh merde. Ces jeux-là font partie quand même de ces séries où il faut les run and gun, faut vachement mémoriser. Genre vous tirez avant même que l'ennemi apparaisse à l'écran. C'est ce qui fait un peu... Oh, j'ai fait de la merde. C'est ce qui fait un petit peu le côté die and retry, comme on dit. Hop. Oh, Google. Google, je sais pas comment le flinguer ce truc. Si je me mets dessous volontairement, forcément on va pas y arriver. Et si on a un qui arrive là encore? Non, c'est bon. Ouh, on va peut-être y arriver vers ce boss. Oh putain! Et on prévient qu'on fait ça, les gars! Non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non! Et puis en plus, ils vont jamais s'arrêter, ces enfoirés là. Bon, ok, ça va barder. Technique numéro 2, le plan ZB3. Oui, le plan ZB3, il est très très connu. Ce qui consiste à se jeter sous une mine flottante, volante. Hop, hop. Je veux voir ce boss, je veux le voir. Viens petit, viens, viens, viens petit scarbé. Oh, il s'aime. C'est pas sympa ce qu'il a fait, quoi.
quelle souplesse. The boss, I want the boss, it's now. And hop. C'était pas loin ça. Hein. Oh l'enfoiré. Et donc voilà, ce sera tout pour ce merveilleux Blazing Chrome que j'abandonne lâchement. Oui, on a là effectivement un des plus géniaux remakes des jeux d'arcade, style Run and Gun, où effectivement c'est vraiment fait pour aller très vite. Une partie qui défoule, vous jouerez rarement plus de 20 minutes, je pense, à ce jeu-là. On fait des petites parties comme ça juste pour se marrer. Et du coup, bah, l'effet est parfaitement réussi. Maintenant, si vous espériez un jeu un petit peu plus profond, avec des tableaux qui s'entrecroisent, machin, vous avez vu, c'est très très linéaire. C'est de l'arcade 100% pur jus. Donc, vous serez en connaissance de cause si vous hésitez entre Blazing Chrome et celui qu'on va chroniquer semaine prochaine, qui s'appelle Valfaris. Et qui, je l'ai dit, a un petit peu ma préférence, vous verrez pourquoi. Je vous laisse avec les deux playlists habituelles. La playlist généraliste. Et la playlist des shmups. Et le bouton bonne monde, n'oubliez pas. A tout bientôt les amis. Ciao.